même d'ici la toile, ils ont perdu leur bénédiction. Mm-hmm. Tu comprends pas? Tu perds un don là. Il faut que tu veux que Dieu n'a qu'à mettre sa baraka dedans. Tout, mm-hmm. ce qui est à côté, une fois que tu commences à faire la c'est fini. Tu as gardé ton temps d'appel. Donc, tu vas demander l'argent à quelqu'un vraiment. Tu vois que c'est pas une mauvaise chose. Tout le monde peut être mal en un moment donné et puis tu vas demander à quelqu'un, à toi, si tu peux m'aider. Moi, je ne sais pas ça, mais je pense que ça, c'est pas un truc qui a fait que quelqu'un prend pour la juger. C'est quand clair. Tu regardes la nouvelle, on se voit sur la chaîne de télévision. En réalité, là, Flora n'avait pas de problème avec Yves Duterot particulièrement. Mm-hmm. Elle a détesté selon l'opinion publique. Elle déteste Yves Duterot parce que les gens disent que Yves Duterot est ceci, cela. Mais là, pourquoi? Pourquoi on va détester quelqu'un? Ça, moi, je ne suis pas d'accord, Flora. Hein. Je ne suis pas d'accord, Flora. Tu ne peux pas détester quelqu'un comme ça. Hein? Non, je ne parle pas de ça. En fait, je ne parle pas de choses. Je veux dire que ce n'est pas Flora seule. Moi, j'ai mes soeurs qui disent, oh, Yves Duterot est trop gay, mais tu ne la connais pas. Tu ne connais pas quelqu'un, tu juges la personne. Il faut qu'on appelle. Je suis victime de ça. C'est son humour, c'est la qualité de son contenu qu'elle donne là. C'est ça qui est vraiment. C'est comment il a su. Je ne la connais pas physiquement. Ni, ben, je ne l'ai pas regardé pour dire non, que Yves Duterot est gagné ou n'est pas gagné. Je ne peux pas dire ça. Je peux pas, non, Yves, quand tu l'approches, la quand tu. Yves, en fait. Même toi-même, il y a les gens qui disent, moi, il y a des connards qui disent, oh, c'est la même chose. Il y a des gens qui disent, mais regarde elle est vraie, elle dit ce qu'elle pense. Mm-hmm. Ce qu'elle ne peut pas faire, là, elle va dire qu'elle va faire, puis derrière, dans le dos. C'est qu'elle est vraie. Aya est vraiment vraie. Sauf que, c'est quelqu'un qui est né vendredi, qui est jumelle. Mais elle est impulsive, tout le monde. Il y a tout le moment où il s'est déballé, moi, je suis impulsive aussi. Mm-hmm. Mais. C'est parce qu'elle est publique, elle est une personne publique, donc vous voulez tous vos problèmes de famille, vous voulez mettre ça sur elle. Mm-hmm. C'est pas normal. Elle a le droit de. Quand tu prends un sujet là, tu décontines le sujet, et puis ça ouvre les yeux de tout le monde. Les gens doivent apprendre à aimer les gens sans avoir de sujet. Une fois que tu es impartial là, tu dois apprendre à connaître quelqu'un, et puis tu fais ton opinion. Mais écoutez, on dit de juger les gens là. Vraiment, ça va m'envoyer beaucoup de personnes à l'enfer. Pour ne pas dire à des gens qui ont beaucoup. Mais Dieu pour rien. Parce que c'est quelqu'un que la personne même tu ne connais même pas. Mm-hmm. Et puis la personne même prend son temps sur son portable, font des vidéos pour nous égayer. La moindre des choses à faire d'être. Moi, j'étais préparé, je faisais mon placard là. J'étais écouté. Mais ça m'a fait du bien parce que j'ai une vidéo. Ça m'a fait du bien. Mm-hmm. Tu reconnais ça de la vie, tu vas te bénir. C'est que vous faites la tête. Vous n'êtes pas payé, vous, mais vous êtes plus qu'une chaîne de télévision. Mm-hmm. Parce que quand il y a un sujet de trou de rats, là, quand ça, c'est vous qui êtes le politique, vous avez les papos, vous cassez. Souvent, vous faites des trucs qui ne sont pas jolis, mais nous tous, on fait des trucs qui ne sont pas jolis. Mm-hmm. Mais vous n'êtes pas vraiment, vous n'êtes pas des personnes à détester. Il y a quelqu'un qui a pensé, une belle personne, c'est un des gens partout. Quelqu'un qui est parti en Europe, qui a un bon boulot, qui travaille le métier de chauffeur de trucs là, c'est très bien payé ici. Mm-hmm. Il est très bien payé. Il a acheté sa maison, il a acheté son papier. C'est un exemple à suivre, c'est un battant. C'est les gens parce que mais les gens préfèrent dénigrer toutes les choses négatives sur lui. Mm-hmm. Alors qu'en disant ça, là, c'est que toi tu n'aimes pas ce que Dieu a donné à quelqu'un là. Tu ne veux pas demander à Dieu de te donner la chose, tu vas la voir. Mm-hmm. C'est impossible. Mm-hmm. Il faut qu'on apprenne à juger les gens à toute valeur. Il ne faut pas détester pour détester. Et c'est pas le problème qu'elle a là. Les gens détestent les gens pour rien. Okay. Pour rien. Chacun a ses valeurs. Chacun a ses valeurs. Si je donne une je suis une page qui voit que la. À chaque fois, on met ses preuves. Il est tout là-bas. Il est tout là-bas parce que tu aimes les valeurs. Vraiment, je ne suis pas. Parce qu'on dit la foi vient de ce qu'on entend. Il n'est pas juste quelqu'un qui va passer son temps à mentir. Est-ce que moi, je reçois une bénédiction après ça? Non. J'écoute les gens qui font quelque chose. Donc, c'est ça que je vais te faire comprendre. C'est que si on veut revenir sur le sujet de Flora, Flora est vraiment quelqu'un qui est vraiment. Qui aime l'homme. Qui s'approche des gens. Qui est humble. Elle est très humble. Tu comprends, non? Elle est très humble. Elle fait ça à fond. Regarde, elle t'a appelé pour te dire qu'il faut monétiser ta base. Est-ce qu'elle t'a pas appelé pour te dire que tu as 500 déjà? Jamais. Non? Elle t'a fait ça. Mais elle m'a semé 500. Elle t'a donné même l'idée. Elle t'a mis en contact avec quelqu'un. Mais si cette personne t'a donné de l'eau à boire, elle a habillé, mais elle t'a donné de l'eau à boire en France. C'est vrai, elle est vraiment bien. Elle a un cœur. Et puis l'autre là, Ozo a dit non que quand je t'appelais, c'est ma soeur qui. C'est-à-dire qu'Ozo n'a pas été vrai. Elle n'a pas été vraie, oui. C'est ma soeur. Elle n'a pas été vraie. Quand je t'appelais, c'est ma soeur qui disait, est-ce que Ozo est plus mieux que Flora? Non, elle n'est pas plus mieux que elle. Vous êtes tous les deux sœurs ivoiriennes. C'est parce qu'elle t'a aimé. Si quelqu'un ne t'aime pas, il s'approche pas de toi. Elle t'a aimé, elle est venue vers toi. Et tu dis des choses. Ta
dans ce qu'elle disait dans son direct, elle a dit les choses pour descendre la fille. Mm-hmm. Alors que Flora même a dit que on s'est pas vu que le mot sœur là c'est vraiment trop. Mais c'est pas mauvais parce que tu as parlé mal d'elle aussi. Tu as parlé, j'ai chargé, il est déchargé, les mots qu'elle a employés là. C'est vraiment pas bien pour dire ça à la télé. Et puis même le journaliste même à l'interpellé, lui a dit, mais si elle a partagé ta page, c'est que vraiment elle a fait. Et elle dit, non, mais si elle a partagé ma page, c'est que tu montres aux gens qui peuvent t'appeler pour te donner un contrat pour dire que tu n'es pas à ton compte. Mm-hmm. Tu montres aux gens qui peuvent t'appeler pour te faire tourner dans un film que tu n'es pas à reconnaissance. C'est que elle-même, c'est pas qu'elle a fait se dévaloriser en fait. Mm-hmm. En réalité, même. Et elle, la partie même où je n'ai pas aimé, là, c'est où elle dit que. Quand vous faites vos contrats de 500, vos publicités de 50 000, mais on est sur la toile ici, là, c'est publicité qui nous définit. Hein. C'est publicité qui nous définit. Même Lolo Beauté qui ne faisait pas publicité, là. Oh, tu as fait publicité de. Si tu as vraiment suivi, les gens vont aller faire publicité chez toi. C'est ça que ça. Non, c'est pas 50 000. Les pub... C'est pas 50 000, c'est faux. C'est plus. Elle a dit ça comme ça. C'est pas 50 000. Les pubs là. C'est dans 200, 300, 500 000. Le direct de Flora aujourd'hui là. Le direct de Ozoa qu'elle a fait là. Elle écoute le direct là. Elle dit toi, depuis tu viens de répondre, fallait te taire. Elle veut intimider la fille. Elle veut intimider la fille parce que la fille est calme. La fille est calme. Les gens racontent n'importe quoi sur elle. Selon moi, si on veut voir là, parmi eux là, c'est elle qui est là. Et que c'est elle-même que tu peux dire, donc elle est vraiment, elle suscite les gens. Et mm-hmm. c'est ça qu'il est, il apprend pour y prendre les têtes. Regarde, si elle n'était pas intelligente, là, elle n'allait pas se barrer à son âge-là. Elle n'allait pas agir tout ce qu'elle a là. Elle est très intelligente. Elle pas que ça. Elle a son salon de coiffure, salon de couture. C'est une fille vraiment qui est intelligente, elle est posée. Et puis regarde, tellement que Flora est professionnelle là. Regarde son direct. Elle n'a même pas fait deux points de couture. Elle a pris trois phases. Elle a déposé quoi, elle est partie. C'est fini, elle a fermé le dossier. Mais elle, toi, une grande fille, qui est plus âgée qu'elle, tu viens, tu te ridiculises, tu racontes, tu dis les secrets, les trucs. Mais les gens vont dire, mais Ozoa, mais c'est qu'il y a des gens qui sont intelligents qui ont la tête sur les épaules là. Mais ils vont se décourager de toi. Ils vont dire, en réalité, toi-même, tu es crié, tu aimes la bagarre. Et puis même là, les gens vont pas être mais toi, tu es crié. C'est comme quand même en réalité, là, lui pense qu'il a rabaissé ma poisson. Il n'a pas rabaissé ma poisson. Les gens qui sont intelligents vont dire, mais c'est pas quelqu'un de reconnaissant. Et moi, dans ma tête, si je sais, c'est quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Il n'est pas reconnaissant. Parce que tu penses que quand tu es rabaissé quelqu'un, toi, tu es le plus jeune. Tu es rabaissé plus jeune. Parce que quelqu'un que toi, quand tu fasses, ça fait plus mal. Mais en réalité, tu es en train de te montrer toi-même, en fait. C'est pourquoi quand la dernière fois Bamba a vu Sarah et puis l'autre façon partie à la télé là, tu as vu comment Vital a agi. Vital est resté professionnel jusqu'au bout. Et l'autre là, même si elle n'est pas comme ça là, mais les gens ont gardé cette image à elle. Faisons très attention, surtout quand vous êtes des personnes publiques là. Souvent il y a des moments là, il faut vraiment faire les choses avec, avec modestie. Mm-hmm. Dans la vie là, c'est Dieu qui te lève là. Et que Dieu va te donner tes mains là. C'est que les gens qui te jugent là, ils me vont rester et puis vont voir. Mm-hmm. Ils vont presser et puis ils vont voir. Parce que tu es vrai. Quand tu es vrai, là, puis tu suis des gens qui sont. Quand les gens avec qui tu marches, ce sont des gens qui évoluent pour vraiment des choses physiques. Mm-hmm. Si tu peux, là, tu t'inscris pour une formation en ligne. Tu fais une formation en ligne. Il faut chercher quelque chose dans un pays vraiment développé. Cherche quelque chose en plus de blog que tu fais là. Si Dieu te fait la grâce là, cherche quelque chose qui fait une formation et puis place-toi pas et puis tu fais les deux. Tranquille. Tu comprends, non? Qui n'a pas fait formation là, moi? Oui, il faut prendre un exemple sur Yaka, faire une petite formation en ligne, un peu. Faut vraiment mm-hmm. Mais oui, c'est parce qu'il y a Thème qui a dit ça. Inscris-toi à des formations en ligne. Si tu as pas mis du 9, là, les gens ne font pas formation professionnelle. Jean, comme il a dit que Yves Dero n'a pas fait formation, là, tu veux me dire, maintenant, moi, je vais aller faire formation. Si on peut faire ça. Non, ça n'a rien à voir. Moi, c'est conseil. Je connais. Ça faisait que tu es une étoile de Yves. Donc là, tu es job. Je vous connais, vous, les étoiles. Là. Vous avez fini un manque de respect. Je suis une étoile de Yves. Vous avez fini un manque de respect. Jean, tu as parlé bien. Maintenant, après, comme bon, tu dis que ma Waraba n'a pas fait formation, toi, même, va faire aussi. Quand tu as fini, là. J'ai compris ton message. Et si ta grâce, elle peut t'inviter là où je suis ici, puis tu as venu, les choses vont bien se passer, venir ici. Et si ta grâce, les groupes de Yves, là, elles ont fini un manque de respect. Vous êtes très, très impolis, vous tous là-bas, là. Vous les gens de Yves, là. Vous les gens de Yves, là. Je connais où. Non. Faut pas dire ça. Amusement, pas dire, pas un grand clé, on est.
D'accord, j'ai compris. Je vais saisir l'occasion. Inscris-toi, pendant que tu es à la maison comme ça, inscris-toi en ligne. Il y a les formations que tu fais ça. Non, peut-être tu avais gardé tout ça dans ta gorge. Dis-moi, il était écrit sur le numéro ça là pour commander le produit, tu m'as jamais répondu. Hein? Donc il était obligé d'aller commander le produit là chez la femme là à Abidjan, elle m'a livré ça. Il y a tes photos, il y a tes produits dans ma maison ici. Hein? C'est pas parce qu'il t'aime pas, il t'aime bien même. Il sent te donner le conseil sur lui avec le cœur. C'est parce que tu parles avec ton cœur. Pas penser que je suis quelqu'un de riche, je suis quoi? Non. Les gens qui suivent, ils sont épaulés. Allez, ça dans ta tête. Non, c'est pour rigoler, t'inquiète. Détends-toi, c'est pour rigoler. Ce sont les personnes responsables qui vous suivent. Donc là, si tu vois que l'on te donne conseil, il faut prendre. Inscris-toi dans une petite formation. Il y a des formations en ligne là, tu peux payer. T'as pas cher. Inscris-toi et puis fais des formations. Plus de diplômes, ça ne gâte pas la sauce. Et puis tu vas te placer tu te bas en plus de ton blogging. Tu vas te faire grâce, tu vas avoir une bonne personne qui va te marier. Et puis tu es tranquille. Donc la femme, elle avait ça dans sa gauche. On peut faire ça, Dodi. Ah, toi, ça du matin, là. Merci beaucoup. Faut vraiment.